1, 2, 3, 4. Qui met l'anneau et aussitôt se transforme en schizo. Dans sa jupette, d'une manchette peut te mettre KO. Hey. Son acolyte masse et casse-cou, lui c'est vraiment son pote. Mais les méchants schizo les battent tous pour les réduire en compote. Hey. Super force et super vitesse, y'en a pas deux de son espèce. Crème magique, rouge à terre, ses cheveux lui tapent sur les nerfs. Chicule tout terrain, avion de chasse et sous-marin. Make up baf, écrit l'enfer, qui en fille est trop super. Schizo. C'était sa tata Schizo. C'est notre super nana. Moque ton poulpe sorti des mers. Schizo a plein d'adversaires. Bulle de pave et même Tara. Faites gaffe, la voilà. Schizo. Kelly et Sheila font leur show. Schizo. Tous aiment Schizo. Schizo. Jamais on a vu un tel héros. Schizo. Y'a que ce Schizo. Le tapis volant d'Aladin, le trident magique de Neptune et les fameuses lunettes à rayons X. Voici quelques-unes des impressionnantes pièces de collection qui sont exposées au musée d'histoire supernaturelle. C'est quoi ce truc? Ça a l'air génial. Cet objet rarissime n'est autre que le fameux miroir magique des contes de fées. Dis bonjour, Milford. Bonjour, Milford. Oh, ne fais pas ton miroir malin. Désolée, je voulais vérifier que l'appel de Thor fonctionnait. Oh, elle fonctionne, c'est maintenant Thor et certain. Même pas drôle. Jeune homme, je t'interdis de toucher à ça, c'est très précieux. L'appel de Thor, c'était pas plutôt un marteau? Il n'était pas dispo. Madame, excusez-moi, mais c'est quoi ce truc? Ça me donne super faim. Oh, ça, mon cher, c'est le portable Port-Nawak, un téléphone unique au monde qui permet aux super-héros d'appeler des fantômes. Purée de melon! S'il vous plaît, je vous prie de me suivre dans la salle suivante, dans laquelle est exposé un rouet magique capable de transformer de la paille en délicieux milkshake. On est en fantôme, enfin seul. C'est l'heure d'appeler Tante Agnès sur le portable Port-Nawak. J'ai quelques petites questions schizoesques qui me taraudent. Schizoesques? Allô? Allô? Ah, rien du tout. Il faut peut-être que tu sois en schizo. Ah, pas bête. Vas-y, ma poulette. T'as l'air de capter. Combien de barres? Je vous écoute. Qui souhaitez-vous contacter? Oui, je souhaiterais joindre ma tante, Agnès Monroe. Je veux lui parler, moi aussi. Merci de patienter, nous recherchons votre correspondant. Incroyable, je suis en attente. C'est parti, mon tapis. Waouh, t'es un as du tapis volant. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Je sais, moi aussi. Il est douillet, sa conduite est souple, hein. C'est les airs mortisseurs. Ils prennent bien, j'espère. Attention. Bien atterri, gentil tapis. Alors là, c'est complètement hallucinant. Regardez-moi, moi. Elle doit préparer une exposition sur Schizo. Sans blague. C'est le meilleur musée de la Terre. J'en suis pas si sûre. Regarde. Oui, et c'est pour exposer ma bague. Très pratique. Oh, c'est impossible. Une force magique la colle à mon index. Je ne peux pas l'enlever. Pas tant que tu seras vivant, en tout cas. Un petit coup de laser et c'est réglé. Alors ça, je l'ai pas vu venir. C'est quoi son problème? Aucune idée, mais je vais le régler vite fait, bien fait. Vous filez, les gars. Ya, ya, tapis. Ya. Comme vous voudrez, madame la conservatrice. On oublie la gentille petite fifille. Ne bouge plus d'un poil, Schizo. J'ai un pistopel, pigé? Vous savez, madame la conservatrice, je n'apprécie pas tellement votre ton. Il me faut absolument ta bague magique pour compléter ma génialissime collection d'objets supernaturels. Donne-la-moi. Très drôle, ça n'arrivera jamais. Vous trouvez ça drôle, hein? Vous êtes chatouilleuse. Arrête. Vole comme une girafe! Tu veux dire comme un piaf? Vous
vous êtes Milford, le miroir magique. On m'appelle aussi Triple M. M cube, et parfois M et M et M. Et moi, je suis Mister Objet Trouvé. On m'appelle aussi O.T. En tout cas, vous arrivez juste à temps. Nous devons arrêter la conservatrice. Vous ne l'aimez pas non plus? Non. Elle est secrètement méchante et je déteste les gens qui ont une double personnalité. Ah oui, sache que je me fiche de ton opinion comme de l'an 2000. Oups, la pauvre petite Shizo s'est piqué le doigt amoureux. Et bientôt, sa bague magique sera à moi. Maudit conte de fées. Je croyais qu'il servait à transformer de la paille en milkshake. En fait, j'en ai plusieurs. Celui-ci sert de puissance somnifère, un autre fait office de cafetière, j'en mets à la peine. J'ai une énorme fourchette magique, ma vieille, et je n'hésiterai pas à m'en servir. Jeune homme, je t'interdis de toucher à ça, c'est très précieux. Votre vie l'est moins, en revanche. À toi de jouer, O.T. Dommage. Oh, mon pauvre petit. J'espère que la laque te redonnera un peu de vivacité. Oh non, c'est horrible! Qu'est-ce que je vais faire? En cas d'urgence, brisez la pantoufle et faites un vœu. Ça me va. Je souhaiterais que Shizo se réveille immédiatement. Tu l'as bien cherché, voyou! Hein? Ah! Shizo, tu es réveillé! Mais c'est impossible! Ça vous décoiffe, madame la conservatrice? Non, on dirait que oui! Oh, vous avez vu toutes ces jolies couleurs. Bien visé, Mister Objet Trouvé. Merci, je suis un crack. Alors, ça baigne, je suis jolie. De toutes les merveilles, tu es la plus belle. Force et splendeur sont à toi, Shizo. Waouh, pas mal du tout. Je suis un poète, que veux-tu? Hé, hey, Shizo, j'ai entre les mains un petit pistolet laser qui a été fabriqué rien que pour toi. Il y a écrit quoi dessus? Belle et intelligente? Non, c'est inscrit rayon décoiffant. La voilà en reine du disco. Nom d'un Iroquois. Oh, marche, Simpson. C'est aussi moche que je l'imagine. Oui. Ça suffit. Ces coiffures affreuses vont la tuer. Sans blague, c'est précisément le but, morveuse. Maintenant, lâche-moi. Quand je me serai enfin débarrassée de Shizo, sa bague magique sera la pièce maîtresse de ma fameuse collection. Vous n'avez pas suivi? Ah non, Shizo di Wistichi. Ouais, en plein dans le mille. Oh, c'est toi, tante Agnès? Vous avez appelé un fantôme? Oui, je suis trop contente. Oh, j'arrive pas à croire que tu sois là. Wow, vous tombez à pic. Il y a deux Shizo. Oh, c'est génial. Allez, sortons-la de cette situation difficile. Ouais, j'ai retrouvé toute ma vivacité. Tante Agnès, je mourrais d'envie de te voir. Moi aussi. Hé, vas-y, demande-lui. Ah oui, Tante Agnès, j'ai toujours rêvé de savoir si tu avais... Oui, bien sûr, je voulais que cette bague te revienne, Guy. C'est vrai? Mais pourquoi? Je suis un garçon et Shizo a toujours été une fille. Oh, la belle affaire. Ce n'est pas bien grave. Tu étais de loin le meilleur candidat. Tu sais pourquoi? Parce que non seulement je suis super beau gosse, mais aussi un petit génie. Non. Eh bien, c'est parce que tu penses comme un méchant et tu es très inventif. C'est génial l'idée de l'acolyte, d'ailleurs. Hé, c'est moi! Quant à toi, Kelly, tu es ce que nous, les super-héros, nous appelons un facilitateur. Un facilitateur? Tu organises tout le super-travail, ce qui est aussi important que le super-travail en lui-même. Ha! Tu as entendu? C'est aussi important. Crotte de chic! Sympa, vos petites expressions. Dommage, vous n'aurez plus jamais l'occasion de les ressortir. J'ignorais qu'il y avait deux Shizo et toi, Milford. Oui, je le savais. Il faut suivre un peu. Peu importe, ça me fera une bague en plus pour ma collection, comme ça. Laissez mes copains tranquilles! Je suis là! À
fourchette volante. La cible est dans ma ligne de mire. Oh. Mégaderme à l'attaque. Je sais comment nous en débarrasser. File-moi un petit coup de pistolet à rayon décoiffant. Oh. Je voulais dire tire-moi dessus. Oh. D'accord. Oh. Chilicule. Oh. Oh. Chilaron. Ah. Hey, ce n'est pas trop tôt. Maz, Kelly, cachez-vous les yeux. Madame la conservatrice, voici Chiduse. Cette coiffure est sacrément drôle, non? Chouette référence mythologique. Non! Chouette, je la détestais. Beau boulot, mon grand. Merci. Toi aussi. Surtout pour un fantôme. Ah! Waouh, énorme ce truc. Jeune homme, je t'interdis de toucher à ça, c'est très précieux. Désolé, je suis en train de me faire butiner là. Ce sera sans moi. Et si je te file un coup de main, tu m'aideras? D'accord, va chercher ce bocal. Il ne serait pas un peu trop petit ton bocal par hasard? Ou ce sont elles qui sont trop grosses? C'est parti pour un méga rétréchissement express. Je les ai couvercles de honte. Je peux pas les voir celles-là. Comme nous tous, il faut absolument qu'on bouge, ma poule. Activation du Dude Portail. Viens. Ta dimension ressemble à la mienne, Dude Po. Je m'attendais à flipper en la voyant. Non. Oh, crotte de chic. C'est ça, mes petits humains. Prenez vos mini-jambes à votre cou. Méga macaque, mais qu'est-ce qu'il fiche ici? Et pourquoi il est si grand? Alors, tu as vu? Tu piches pourquoi j'ai besoin de toi? C'est ton méchant. T'inquiète, je vais le chiradiquer. Je reviens.
tu manigances encore à l'aide de bananes. À l'aide de bananes? Je me suis lavé les dents pourtant. Mais puisque tu me le demandes, je suis à la recherche de la super pastèque. Et depuis quand tu aimes la pastèque? Ton truc, c'est pas les bananes? La super pastèque est une source de pouvoir infini dans cette dimension. Et on la trouve où, cette méga pastèque de fou? Personne ne le sait vraiment. Le petit dur à cuire a raison, Shizo. Lorsque la super pastèque sera enfin entre mes mains, j'aurai le pouvoir de contrôler plusieurs dimensions en même temps. Et les foudres de ma colère s'abattront sur vous. Ah ouais? Et ça donne quoi alors? Ça donne ça. Pourquoi tu lui as demandé? C'est bon, on oublie la gentille petite fifille. Et si on lui montrait un petit aperçu de notre numéro Badaboom Bang? C'est une idée sensationnelle. Je te souhaite un bon voyage, méga macaque. Ta réservation sur fichemoinraclée.com est prête. Oh, je te remercie. Attends, je ne vais nulle part. Oh, ça, c'est ce que tu crois. Méga frappe pour méga macaque. Je te rebotte les fesses quand tu veux. À nous deux, méga crapule. Il est grand temps que tu retrouves ta taille. C'est parti pour un méga rétrécissement express. Tu as dit quoi? Attends, non. Oh, satané Chippy! C'était un tel plaisir d'être géant. D'ailleurs, ça sort d'où ce délire? Tu n'as pas idée de ce que c'est de s'appeler méga macaque quand on fait ma taille. J'aimerais bien t'y voir. Oh, oui, je peux comprendre ça. Hasta la vista! Les nulos! Ça m'étonnerait! Oh, wow, la prise de tête! Il faudra que je me souvienne de ne jamais entrer dans un portail interdimensionnel en train de se refermer. Te voilà, Shizo. Oula. Sheila, j'ai besoin de ton aide. J'ai les cheveux en bataille. Ça, des cheveux? Shilaon, il me faut de la super laque. J'en ai pas sur moi. Je t'en envoie immédiatement. Oh, tout va bien? C'est juste que après ce qui s'est passé, ça me fait un peu flipper. Ouais, j'ai tenu jusqu'au bout. Youhou. Kelly, Barbe Rousse, je suis bien content de vous voir. Distribution spéciale de Shilak. Je te mets au défi de répéter ça trois fois. Salut, Jutpo. Salut, Sagaz. Ouais, alors ça, c'est de la bonne. Prêt à aller à la chasse aux macaques? C'est parti. Je numérise tous les échantillons de pastèques pour que tu les analyses, Dudley. Génial, leur signature énergétique m'aidera à la retrouver. Merci, Kelly. Et là, je réponds à Moctopulp, tu en es la pieuvre vivante. Oh, wow, fais gaffe, Mazzy. Oups, désolé. Salut, Mazzy. Il déchire ton costume d'acolyte. Dis, qu'est-ce que tu penses du mien? Oh, je l'ai fait moi-même. Oui, ça se voit d'ailleurs. Ok. Kelly, voici Kelly, c'est mon frérot. Salut. Salut, frérot. Alors comme ça, tu es mon homologue? Sagaz? Tu n'es pas très bavarde. J'espère que tu plaisantes. Alerte rouge, alerte rouge. Méga macaque a mis la main sur la super pastèque. Il est en route pour le lac de feu. Oh non, c'est trop tard. Pas encore en fait. Il a besoin d'être au lac de feu pour activer les pouvoirs de la super pastèque. Rattrapons-le alors, on bouge de là. Les acolytes, vous venez aussi, c'est parti. Je crois que je vais rester ici avec Kelly. Ouais, on va faire des recherches. Vous allez faire quoi d'autre? Des câlins? Saute dans le vortex ou je te coince la tête dedans. J'ai enfin réussi à te trouver, mon précieux. Et une fois que j'aurai récité l'incantation, plus rien ne se mettra en travers de nous deux. À part eux, peut-être. Dis-moi, qu'est-ce qui te prend de parler à des fruits magiques, méga macaque? Oui, c'est quand même un peu étrange. Surtout si elle se met à te répondre, en fait. Tu ferais bien de te rendre si tu ne veux pas qu'on te botte tes petites fesses. Oh, bon, c'est d'accord.
Je suis un mauvais garçon, un méchant macaque, un primate diabolique, un insupportable chimpanzé. C'était pas très dur, en fait. Non, je te prie de bien vouloir accepter mes excuses les plus sincères, Dewdpo, et ceci pour te prouver à quel point je regrette. De la destructionnite ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ça n'a pas l'air de te plaire, Dewdpo. Tu vas le laisser tranquille, méga macaque, sinon... Tu fais un pas de plus et je lui frotte les joues avec la destructionnite. Non ! Ça risque de l'achever. À toi d'en décider, Shizo. Si tu veux le sauver, tu vas devoir faire ce que je te demande. D'accord. Et qu'est-ce que tu veux, au juste? Tu es sérieux? La pastèque, tu viens juste de me la prendre. Non, oui, 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 je le savais. On échange? D'habitude, je refuse de négocier avec les méchants interdimensionnels. Oh, tu devrais pourtant, c'est dans l'air du temps. Je te la redonne, ta pastèque toute pourrie. Oh non, de la destructionnite, sa seule faiblesse. C'est terrible, qu'est-ce qu'on va faire? Décréter que tu es une mauviette. Barberousse, oh. Ici Kelly, tu me reçois? Oh, quoi? Qui est là? Je suis dans ton oreille. Ça roule. Kelly vient de faire une découverte incroyable sur Shizo et sur Dewdpo. C'est vrai? Raconte. Bye bye, destructionnite. Super pastèque, tes incroyables pouvoirs sont à portée de main. Transmets-moi ta force légendaire et fais de moi ton humble serviteur. J'ai infini récupératus la superum pastecas et je vais pouvoir um regnus sur l'universus. Génial cette pastèque. Où crois-tu aller, espèce d'imbécile heureuse? Allez, méga macaque, on est copains tous les deux, on peut en discuter. Seulement si tu parles le japonais. Sans sas. Maintenant, je suis méga puissant. Une fois que je vous aurai détruit, bande de super idiots, plus rien ne pourra m'arrêter. Plus rien ne pourra m'arrêter. Je vais régner sur toutes les dimensions d'une patte de fer. Je suis le plus méchant, le plus puissant de la Terre. Plus rien ne m'arrêtera. T'es sûr de toi? Oui, fais-le. C'était quoi, ça? C'était nous. Et nous? Merci, c'était trop bon. Ce château est grave. À notre tour. Oh, je vais aller faire une petite sieste, je crois. On est les meilleurs. On devrait avoir une émission de télé, Shizo et Dewdpo. Ou plutôt, Dewdpo et Shizo. Non,